La nuit a été dure. J'ai une gueule de bois fusillé un nazi. J'ose même plus me rappeler ce que mon corps est obligé d'éliminer, c'est dire. Je crois que je suis pas le seul. Les jeunes du quartier ont dû cramer quelques bagnoles cette nuit vu l'odeur de cramer qui nappe l'atmosphère jusque chez moi. Le seul remède que je connaisse, c'est le café. Le café. Le café! J'ai plus de café! Fais chier! Je suis obligé de sortir! Les gamins semblent agités dehors, et comme on dit, mieux vaut sortir couvert. Pas pour faire une visite de courtoisie à leur prostate, mais être sûr que la mienne n'aura pas d'invité surprise. Je suis pas sorti depuis 5 minutes que les emmerdes commencent déjà. Ils ont vraiment une sale gueule aujourd'hui. Ils ont dû vraiment se défoncer cette nuit. Même leur clepsymètre, c'est pas normal. Comme d'hab, ils s'y mettent en groupe. Mais là, ils ont la rage. On dirait des Russes bourrés, qui ont abusé de crocodiles tellement ils sont rongés jusqu'à l'os. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a eu la guerre et je suis le dernier au courant ou quoi? L'épicerie est de l'autre côté de la route. Et c'est pas quelques chauves-souris sortis d'un trou qui vont m'arrêter. Je vais trouver un autre chemin. Satané saloperie. Y'a personne de normal dans ces rues. Je déteste ces bestioles. J'ai jamais été fan de Batman de toute façon. Ah, une Red Bull, c'est un bon début. Mais rien ne remplacera un bon café chaud. Waouh, attention! Encore des clébards. Merde, j'ai jamais vu ça. Un bruit de porte. Quelqu'un est rentré dans cet hôpital. Nos braves infirmières aiment sûrement le café autant que moi. Mais je vais aller les saluer. La tête va exploser. Il fait noir, je comprends rien. Vite, mon briquet. Putain, c'est quoi ce bordel? Même ici, ils s'y mettent. Ok, ils veulent jouer, on va s'amuser. Un fusil à pompe, ça sera toujours mieux qu'essayer de buter tout le monde avec un zapper NES.
putain, ça s'arrête. J'y comprends vraiment rien. Qu'est-ce que je fous ici? Tout ça pour du café. J'aurais mieux fait rester chez moi à me tripoter la nouille. Je comprends plus rien, ils sont encore là. C'était pas des hallucinations alors. Bon, c'est loin de sentir café ici, mais plutôt le fumier. Faut vite que je trouve une sortie. Ah putain, ça recommence, mon crâne! Là, on est dans la merde. Un peu de répit, mais pour combien de temps? Là, je dois bien avouer que je suis vraiment dans une panique complète. Je sais vraiment pas quoi faire. Là, c'est la fin. Je comprends pas ce que je fais là et ce qui arrive. Y'a quelque chose qui m'échappe. Je suis prostré comme un gosse dans un coin en train de chialer. Et là, je suis pas sûr que ça soit la bonne solution. Et pourtant, y'a rien qui me vient. Je crois que je suis baisé.